Ils emboîtent le pas à leur zénith. 15 jours après la rentrée scolaire 2021-2022, c'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Amina Priscille Longo, qui a procédé au lancement officiel de cette rentrée préscolaire. La déléguée provinciale de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Madame Rilengar Madimta Patricia, félicite la ministre pour les efforts qui ont permis de rendre gratuite l'inscription au niveau du préscolaire. Le représentant du directeur général de la protection de l'enfance, Dodom Dilingar, a précisé que le préscolaire constitue les jalons de la formation socio-éducative et le développement de l'enfant. La ministre met l'accent sur la qualité de l'encadrement. Ce que nous faisons dépend de l'avenir du Tchad. Les enfants que vous voyez aujourd'hui, c'est eux qui vont diriger le Tchad demain. Je vous demande plus de courage et d'abnégation dans ce que vous faites. Pour prouver la bonne foi de son département, Amina Priscille Longo a remis des matériels de travail et des accessoires à la déléguée provinciale de N'Djamena, Madimta Patricia.